Salut Louise. Salut Michel, ça va? Non, c'est le mois de novembre, il fait gris, il fait froid, c'est l'automne, c'est nul. Mais non, c'est chouette! Et puis regarde, ça va être l'occasion pour les gens de venir à la bibliothèque et il va se passer plein de trucs! Ouais, mais tu dis ça à chaque fois. Mais non, c'est vrai, c'est vrai! Tu vas voir, on va tout raconter là, ça va être vachement bien. Bon, d'accord, mais on fait ça à l'intérieur parce que là, moi j'ai trop froid. Ouais, t'as raison. My lovely lady, sweet dreams of baby, oh yeah, will we ever meet again? Bon alors Louise, c'est quoi ce super programme de novembre? Bah écoute, je suis en train de regarder justement là, c'est pas terrible hein. Ah bah le 17 novembre, il y a la finale de Secret Story. Je parle du programme de la bibliothèque, pas du programme télé. Ah oui, pardon, ça va être vachement mieux. Alors on commence les animations avec les animations où on papote et on mange. Le Café de Louise les samedis 5 et 19 novembre à 11h. Le goûter des ados le mercredi 9 novembre à 16h. Et le goûter des pingouins grouillants le samedi 19 novembre à 16h. Et sinon il y a un autre truc le 5 novembre je crois. Alors attends. Ah oui, le 5 novembre, c'est l'anniversaire de Joe Dassin. Mais non, Louise. Ah oui, non, à la bibliothèque, il n'y a rien du tout. Mais non, mais il n'y a pas rien du tout. Il y a Ciné des habitants, le samedi 5 novembre à 15h. Oui, bah c'est bien ce que je dis. Ah ouais, bien joué. Mais sinon, mercredi 23 novembre à 17h, il y aura le concert-spectacle de Zaf Zafa, qui est un truc pour toute la famille et qui s'appelle Nola, voyage musical à la Nouvelle-Orléans. Et le 23 novembre, c'est aussi l'anniversaire de Francis Cabrel et Jean-Pierre Foucault. Le samedi 26 novembre à 11h, Histoire et compagnie, pour les enfants à partir de 4 ans. Il y aura des crocodiles, attention. Et le 26 novembre, samedi 26 novembre, à partir de 10h, les voyageurs du code investissent la bibliothèque pour nous faire voyager dans l'univers du code. Et puis samedi 26 novembre, à 18h, il y aura aussi une rencontre jeu de rôle et littérature qui aura pour thème cette fois-ci l'enfance un peu weird, un peu bizarre. On va surfer sur la vague de la série Netflix Stranger Things, dont on a pas mal parlé sur le blog et qui a agité beaucoup les internets. Donc cette fois-ci, c'est Julien Delorme, notre copain éditeur, qui va inviter plusieurs auteurs de jeux de rôle à venir vous faire découvrir leurs bouquins et leurs jeux. Manuel Bedouet, Vivien Féasson et Jean-Luc Daciano, l'éditeur et auteur, qui viendra nous parler lui aussi de ses bouquins. Et puis ça tombe vachement bien, parce que le 26 novembre, c'est la journée mondiale sans achat. Donc au lieu d'aller vous embêter dans des centres commerciaux, venez profiter des animations de la bibliothèque. Et on n'oublie pas aussi tous les vendredis à 14h30, le Café Blabla, pour papoter et pratiquer son français. Et puis les Wondercredis, ce sont les mercredis à 15h, et il y aura des animations jeux vidéo, jeux de société, tricot, etc. Enfin plein de choses. Ah oui, et on en profite pour vous signaler que les 11 et 12 novembre, la bibliothèque sera fermée. Eh, en même temps, comme le 12 c'est la journée mondiale de la pneumonie, il vaut mieux rester chez soi. On vous retrouve le mois prochain pour clôturer déjà cette année 2016. Bon, en attendant, portez-vous bien et n'oubliez pas que...